On arrive où ce que John il travaille. Salut mon John, fait que je suis ici avec toi à ton travail aujourd'hui. Donc, tu fais quoi comme travail? Mais cette job-ci, c'est poser une Oui. clôture. OK, poser une clôture, OK. Ouais. Fait que c'est ça, je t'ai venu te rencontrer aujourd'hui parce qu'on avait un objectif ensemble. Ben, toi, tu avais principalement un objectif de faire 20 chin-ups, 60 push-ups. Fait que on a commencé ça le 18 août. Puis exactement 19 jours plus tard, tu avais atteint ton objectif de 20-60. On a même fait 20-63 push-ups. Puis on peut calculer au bout de 30 jours. Donc le système qu'on a travaillé ensemble, on a presque doublé chacune de tes stats. Fait qu'on était rendu à 85 push-ups et 20, 30, 30 chin-ups, ce qui est quand même assez exceptionnel. Fait que toi, tu te sens comment là, après avoir atteint cet objectif-là très rapidement? C'est un objectif que peut-être ça peut sembler petit à tout le monde d'autre, mais pour moi, c'est quelque chose que, comme vous avez dit, que je peux appliquer ça partout dans ma vie. Fait que c'est comme si je suis capable de faire ça avec quelque chose de petit de même, mais je suis capable de faire ça partout dans ma vie, dans mon travail. Je serais capable de dépasser mes limites tout le temps. C'est juste ici que je suis, dans ma tête, que je suis bloqué, c'est pas ailleurs, dans le fond. So, j'avais une petite question pour toi, mon John. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? The only limitation you believe in are the ones you make up. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire là-dessus? Limitations you believe in are the ones you make up. Mais c'est carrément ça. Si tu dis, je suis pas capable de faire ça, mais tu seras jamais capable de le faire. Si tu dis, I can do it, mais tu vas rendre là, puis il faut que tu parles à toi-même dans ta tête, sinon ça va jamais marcher. Il faut que, une affaire que tu m'as appris quand je faisais mes push-ups, c'est de me primer avant, de respirer, puis genre de me pomper avant que je commençais. Puis depuis j'ai commencé à faire ça, c'est ça, j'ai commencé à dépasser mes limites à chaque jour. Puis dire aussi, si je faisais 60, de dire, mais là, aujourd'hui, je veux faire 65. Le lendemain, je veux faire 70, 75. Chaque jour, rajouter 5 de plus ou quelque chose de même. Donc, John, à quoi t'attribues ton succès à la réussite de tes objectifs comme on a eu là, là? C'est à quoi t'attribues ça, là, comme qu'est-ce que t'as appris de ça ou qu'est-ce que... Pourquoi j'attribue ça? Mais c'est surtout de travailler mon kung fu dans le fond, de travailler mon mindset, de travailler, de dépasser mes limites tout le temps. Pas d'être satisfait avec 60 ou peu importe c'est quoi, mais pas d'être satisfait avec ça, puis dire que je suis toujours capable de faire plus. Il va y avoir des bouts que c'est sûr je vais faire des genres de plateaux, là, mais à chaque jour, si je me pousse plus loin, je pourrais aller plus loin dans le fond. Y a-tu comme une qualité que tu aurais développée à travers ça ou y a-tu de quoi qui te vient à l'idée? Surtout du discipline, de faire quelque chose vraiment à chaque jour. J'avais toujours de la misère avec ça. Puis quand j'ai mis un objectif, puis quand j'ai mis qu'il faudrait que j'envoie tous les jours à toi qu'est-ce que j'ai fait. Ça m'a poussé plus loin de faire qu'est-ce que j'avais à faire à chaque jour, puis pas lâcher. Puis ça a changé mon point de vue là-dessus. Je veux plus lâcher quand je commence quelque chose. Comme là, à cette heure, j'ai atteint mes objectifs, mais je continue à les faire chaque jour. Thank you.